évidemment le métro d'Abidjan, qui va changer la vie quotidienne des habitants d'Abidjan et changer la vie quotidienne de millions d'Ivoiriens. Je ne sais pas si tu écoutes l'audio que je viens de te mettre, c'est celui de Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, des finances et de la relance. La relance économique parce que, bien évidemment, avec la crise, le corona, il faut relancer l'économie en France. Et où est-ce qu'on va chercher les poches de relance? En Afrique. La vidéo que vous venez d'entendre est un extrait de la visite du ministre français en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques semaines, pendant laquelle il allait visiter deux principaux chantiers, le métro d'Abidjan et derrière l'extension de l'aéroport au Fouet-Boigny. Ce sont les deux gros chantiers sur lesquels la France se positionne en ce moment pour pouvoir travailler à la relance. Alors, ce qui est intéressant avec ça, en réalité, c'est que c'est typiquement le genre de choses que sur cette chaîne, je combats, très clairement. Le fait que la France continue de se servir des pays africains comme des espaces dans lesquels on va venir pour pouvoir développer son économie. C'est un chantier qui, au départ, coûtait 1,36 milliard d'euros. Donc, 1,36 milliard d'euros, c'est plus de 1 000 milliards de francs CFA pour construire ce métro-là à Abidjan. Et c'est un chantier qui a été gagné par Bouygues, bien évidemment. On ne va pas aller chercher très loin. Donc du coup, par contre, c'est un chantier qui est en retard aujourd'hui. Et comme tous les chantiers de cette nature-là, on va nous annoncer des extensions de budget et vous allez avoir au final un métro qui va coûter parmi les métros les plus chers au monde. Ceci est gagné par une entreprise française. Pourquoi est-ce que c'est choquant? Parce que ce type de scénario démontre à souhait le visage, j'ai envie de dire, démasqué de la France-Afrique. Un visage dans lequel les pays africains servent uniquement de consommateurs en réalité. Un projet de cette valeur-là, 2000 milliards, disons 1,36 milliard d'euros. Qu'est-ce que ça pourrait rapporter à l'économie ivoirienne si c'était fait par des entreprises ivoiriennes? À la limite qu'une entreprise ivoirienne ou que deux, trois ou un consortium d'entreprises ivoiriennes gagne le marché et aille sous-traiter des parties, comme ça peut se faire, à des fournisseurs étrangers. Oui, pourquoi pas, on peut aller chercher l'expertise en Chine, en Allemagne, un peu partout, mais supervisé par des entreprises locales pour que le marché reste local. Et ceci permet bien évidemment aussi de monter en compétence les industries locales. Malheureusement, ce n'est pas le choix qui est fait. Mais ce que je dis là est valable en Côte d'Ivoire et valable ailleurs en Afrique. Hein. C'est cette volonté-là que les entreprises françaises, parce que clairement, quand on parle de France-Afrique aujourd'hui, beaucoup de gens voient uniquement le franc CFA. Mais je pense que le bras armé, le bras puissant de la France-Afrique aujourd'hui, ce sont des entreprises. C'est avec les entreprises que ce système-là existe, opère et se développe. Mais attention, ce que je dis là pour la Côte d'Ivoire, est valable au Cameroun, est valable au Sénégal, est valable à peu près partout, hein, ne vous inquiétez pas du tout. Très souvent, quand un ministre français vient dans un pays, c'est pour faire accélérer des travaux, c'est pour négocier certains contrats ou c'est pour débloquer des contrats qui peuvent être mal embarqués. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui sont camerounais, de l'histoire de Vincent Bolloré et du port de Douala qu'il avait perdu. Dans la foulée, on a eu une visite du président français, François Hollande à l'époque, qui est venu au Cameroun et qui n'a même pas dormi. Il est venu au Cameroun, au tarmac de l'aéroport, il a fait une conférence de presse, il a déjeuné avec le président Biya, il est reparti quelques jours après. Vincent Bolloré, qui n'était même pas dans le trio de tête, s'est retrouvé avec le marché comme vainqueur. Voilà un peu comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises françaises, on ne s'en rend pas compte, mais seraient des entreprises de seconde ou de troisième zone sans l'Afrique. Parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas en France aujourd'hui que Bouygues va avoir beaucoup de projets de métro. Non. Ce n'est pas en France que Bouygues va avoir beaucoup de projets qui vont lui rapporter 1,36 milliard d'euros. Non, on va les chercher ailleurs. Et là, on parle d'un projet. Mais il y a l'extension de l'aéroport aussi, qui va être donnée aussi à une autre société. Et ça va être un autre marché. Et donc, cette logique-là d'accaparement des richesses au travers des sociétés françaises, c'est ça le nouveau vrai visage de la France-Afrique. C'est comme ça que ça opère maintenant. Bien évidemment, pour que ça se fasse, on a toujours besoin d'avoir un leadership politique en Afrique qui permet que ce genre de choses se fassent. On est tous d'accord là-dessus. Mais fondamentalement, je pense que plutôt que de s'offusquer, de crier à gauche, à droite, il faut lire les choses, les comprendre, les analyser et réagir. Cette visite est passée quasiment inaperçue. Je n'ai pas entendu beaucoup de personnes sur Internet s'offusquer de ça, comme je peux voir des gens faire beaucoup de choses autour du franc CFA. Et pourtant, ça, c'est grave. Ça, c'est sérieux. Parce que ça se fait sous nos yeux et avec nos applaudissements. D'ailleurs, Bruno Le Maire lui-même avait dit deux choses très choquantes à mon avis. La première, c'est qu'il était très content de ce projet, comme je viens de vous le faire écouter, parce que c'est un projet qui permettait, écoutez bien, aux Ivoiriens de pouvoir faciliter leur vie, donc le rôle de consommateur, et à l'industrie française de pouvoir travailler et montrer son talent. Donc en gros, la France construit, les Africains consomment. C'est ça le rapport. On construit, et c'est celui qui construit qui s'enrichit, et les autres consomment. Donc nous, on nous maintient dans ce rôle de consommateur, qui est un rôle bien évidemment dans lequel on ne se développera jamais.
On a besoin d'avoir des entreprises puissantes, grandes et fortes. Et ça, je ne cesserai jamais de le dire ici. Pour que l'Afrique émerge, on a besoin d'avoir des gens comme Dangote, 100, 100, 200 par pays. C'est-à-dire des hommes qui sont très puissants avec des grosses structures, qui embauchent des dizaines de milliers de personnes pour pouvoir permettre au pays de pouvoir réellement bouger. Donc, il est urgent pour les Africains de se lancer dans le business. Et ce qui me permet de pouvoir aller dans le deuxième sens. Parce qu'on aime souvent dire que les Africains sont des gens qui font beaucoup de business. C'est vrai et c'est faux. En Afrique, il y a beaucoup d'entrepreneuriat, c'est vrai. Mais c'est de l'entrepreneuriat de survie. On n'a pas des gros entrepreneurs. Et ça, c'est un vrai problème. Et Bruno Le Maire, dans une interview en France, avait laissé entendre que les Africains devaient... comment je vais dire ça, que les Africains étaient vaillants, le discours un peu moralisateur, les Africains, ils sont vaillants, mais ce dont ils ont besoin, c'est de soutien. Je cite un peu, hein, je paraphrase, monsieur le maire, oui, les entrepreneurs africains, ils ont besoin de cadres, d'encadrement, il y a des jeunes très dynamiques qui font plein de choses, ils ont besoin d'un peu de financement. Ok, je pense que c'est une analyse très fausse des besoins des entrepreneurs africains et je vous développerai peut-être plus tard dans une prochaine vidéo pourquoi je pense ça, parce que sinon la vidéo va être très longue. Dans tous les cas, moi je suis à Abidjan dans quelques jours, là, dans quelques heures même, pour venir faire une formation business et je pense que c'est ça la réponse. Former, lancer des business, mais pas des petits business. Il faut qu'on sorte de la logique des petits business parce que c'est à cause de la mentalité des petits business qu'on est là où on est. Il faut qu'on aille faire de gros business parce qu'aucun petit business ne change le monde, aucun petit business ne change un pays. Et l'un de nos problèmes, c'est qu'on est abonné au petit business. Donc, si vous voulez venir vous lancer en business, si vous voulez développer votre business, aller un peu plus loin avec votre chiffre d'affaires, que vous soyez au Cameroun ou au Sénégal, parce que je vais vous montrer dans une autre vidéo que la même politique est en train de se passer en ce moment même au Sénégal, mais je vous invite à venir vous former avec moi. La prochaine, c'est samedi prochain à Azalaï. Je crois qu'il reste quelques places, ça part très vite. Donc, dans la barre de description, vous avez les infos pour pouvoir réserver votre place. Sinon, rendez-vous pour ceux qui sont à Dakar la semaine d'après le 26 à l'hôtel Savannah. Bref. Formons-nous, bâtissons de la richesse et surtout créons de gros business. Créons de gros business, c'est de ça dont on a besoin. La formation va vous donner les clés pour pouvoir créer de grosses, vraiment des structures qui vont faire de bons chiffres d'affaires, quoi. Et arrêter de se battre avec quelques centaines de mille, quelques petits millions en fin d'année et d'exalter, de s'enjailler pour ça, quoi. Il faut qu'on rêve grand, qu'on fasse des trucs en milliards d'euros pour pouvoir venir se positionner et compétir. Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est ça. C'est que si on demande maintenant quelle entreprise ivoirienne, quelle entreprise sénégalaise peut venir réaliser ce métro-là, tu ne vas pas avoir beaucoup de gens qui vont se lever. Et c'est ça le problème. Donc du coup, les gouvernants pourront dire, mais on n'a pas l'expertise sur place, donc on va la chercher ailleurs. Créons des boîtes qui vont devenir incontournables, des géants, de telle sorte que ce genre de situation, il devient révoltant de voir ce type de marché aller ailleurs. D'ailleurs, en France, il y a des marchés, non? Je ne vois pas beaucoup de marchés qui sont donnés à des entreprises étrangères. Hein. Bref, partagez la vidéo, il faut qu'elle soit entendue, que les Africains comprennent bien ce qui se passe. À très bientôt. Ciao.